Eh bien, tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la litière et de la propreté. On se retrouve juste après l'intro pour parler de ce sujet. Alors, nous allons parler de la litière et de la propreté. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la fameuse litière de copeaux de bois, qui est toxique et dégage des phénols, qui est très mauvais pour le foie de votre lapin et son appareil respiratoire. Il faut savoir que les litières d'argile ne sont pas néfastes, mais leur poussière, parce que souvent les lapins raclent leur litière. Il y a aussi la litière de bout de papier, qui est très toxique à cause de l'encre ou de l'agent de blanchissement. Alors maintenant, passons aux litières non toxiques. Il y a la litière de paille, mais elle n'est pas vraiment bien car elle n'absorbera pas l'urine. La litière de chanvre, qui est très confortable, facile à nettoyer, peu chère, achetée en grand format, bien sûr. Celle que je vous conseille, c'est la litière de chanvre. Alors, maintenant, nous avons choisi la litière. Passons au nettoyage. Surtout, n'achetez pas les produits que l'on vend dans le commerce. Cela est extrêmement toxique. Je vous conseille tout simplement le vinaigre d'alcool blanc. Son avantage est qu'il désinfecte et tue tous les microbes. Moi, avec le vinaigre, je nettoie tout. La litière, la gamelle, l'abreuvoir et sa cage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.